in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Like you trying to get stuck in the air. Bon, retour à l'appart, vous avez vu de nouveaux vlogs. Première séance, c'était super dur. C'est le nouveau training USB, donc c'était que les jambes. Que dire à part que c'était vraiment très très dur. La semaine dernière, je pense, ce week-end surtout, j'ai pas très bien mangé. Quoi dire de plus aussi? Bon, là, il y avait soulevé de terre en troisième exercice. Donc, vous avez vu, on fait plus de répétitions, c'est 15 reps. Forcément, on met moins lourd, on fait attention à la technique. Et on termine avec les abdos. Vous avez un relevé de jambes, une petite rotation. Ouais, suivez la main, petite rotation, on revient dans l'axe. Et on redescend, comme ça, ça fait et les abdos et les obliques. Voilà, c'est un nouvel exercice dans Strain With Me. C'est le tout départ, donc n'hésitez pas à rejoindre maintenant, c'est le moment. Vous recevez les programmes le 6 de chaque mois et après on les attaque le lundi d'après. Donc là on attaque aujourd'hui le lundi 10. C'est plus intéressant pour vous d'attaquer comme ça en début de programme, genre aujourd'hui ou fin cette semaine, que si vous attaquez par exemple le 3 ou le 4, parce que vous allez payer un programme pour seulement 3-4 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre au départ, rejoindre les armées. Pour le repas à midi, un steak 180 grammes et un petit peu de purée de différents légumes verts. Et aussi je voulais vous dire un truc, merci à tous pour les commentaires sur la vidéo de transformation de Pascal. Encore une fois bravo à lui, c'était vraiment lourd. Si vous l'avez pas vu, allez checker ça, elle est sortie donc dimanche soir, donc pour moi hier soir. Et puis ça m'a donné des idées, on en a déjà parlé avec Alex, je voulais le faire depuis longtemps. Mais en gros, choisir plusieurs personnes pour faire la même chose, au minimum sur 6 mois je pense. C'est vraiment des grosses transformations, voire sur un an. Donc je vous dis direct, ça va être très très dur parce que ça va être long. Et pour ça, bah, je choisirai au moins une personne, peut-être deux, peut-être trois, quatre, ça va dépendre des profils. Et vous m'envoyez un mail à pj@bodytime.fr avec des photos, au moins 2-3 photos de vous. Les mecs, n'hésitez pas à vous mettre torse nu que je vois. Et surtout de la motivation, parce que ça va être le plus dur. Je vous dis, imaginez si pendant un an, vous n'avez pas le droit de faire de cheat meal, vous allez devoir vous entraîner peut-être tous les jours, plus du cardio, plus voilà, vraiment une grosse détermination. C'est ça qui va faire la différence. Moi, je m'engage aussi, je vais passer du temps avec vous. Donc... voilà, il faut qu'il y ait des résultats, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit une vraie transformation. Vous pouvez voir avec Pascal sur la vidéo, ça n'a pas été une partie de plaisir. Après, une fois que c'est fini, bien sûr, on est fiers. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit très dur. Donc voilà, à vous de voir. Si vous voulez, vous envoyez votre candidature. Et puis, seule petite chose aussi, il faut être capable de venir assez facilement sur Lyon, au minimum une fois par mois. Je pense deux fois, ce serait bien. Qu'on se voit assez régulièrement, je vous ferai les entraînements, je vous ferai l'alimentation. Et voilà, qu'on puisse checker de temps en temps, voire s'entraîner ensemble. Que ce soit pour prendre du poids, quelqu'un qui a vraiment été tout le temps très maigre, ou quelqu'un qui souhaite perdre énormément de poids. Voilà, les deux profils sont possibles, homme ou femme, bien sûr, il n'y a aucun problème. Bref, voilà, envoyez-moi tout ça par mail et je vous tiendrai au courant. Ça bosse dur cet après-midi au bureau, enfin ça fait semblant, surtout Alex. Et là, ça prépare toutes les commandes. Le pilier de la table. Si j'étais pas là, comment elle tiendrait celle-là? Et toutes les commandes, ça part en DHL, que ce soit pour Hades Body Time. Commandez le lendemain livré, si vous commandez avant DHL. Midi. DHL, t'as vu? DHL, la base. Entraînement terminé, c'était très dur, grosse fatigue. Pareil pour Jacques, je crois. Ouais. Et Julie, pareil, grosse galère. Je sais pas ce qu'il y a, la pleine lune ou un truc comme ça, mais c'était dur. On a fait quelques photos déjà pour le prochain training USB. J'ai essayé les exercices. Donc, on a fait les photos pour présenter les exos. Et donc, ce sera dans le prochain qui sera au mois de mai. Là, on vient juste d'attaquer suite avril. Donc, on a le temps. Et là, quelques photos aussi pour illustrer le programme. Je suis pas très sec, mais bon, je vais donner ma vie. Ça va aller. Pour le repas du midi, très simple, ça va être que du poisson, avec du poisson pané, mais c'est du vrai filet de merlan.
et des quenelles encore au poisson. Voilà. Donc ça, ça fait protéines plus glucides. Et là, ça fait encore un peu de prot, un peu de gras. Et manger quelques légumes à côté, tomates ou un peu de salade verte. Et cet après-midi, un petit peu tard, je dois valider les vidéos entraînement Wolf. Donc on doit tout regarder avec Alex pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits bugs, qu'on entend bien et tout. Mercredi matin, direction Voiron, je rejoins Alex et on va au siège Fitness Boutique. On va discuter les futurs projets, les futures choses qu'on peut faire, comme la pub qu'on a tournée dans le dernier vlog, tout ça. Bon, arrivé, moi je suis tout juste à l'heure, de 3 minutes de retard, mais ça va. Effet incroyable. Alexandre, oui bien Alexandre de Body Time était en avance. De 20 minutes, il m'a appelé, il était en avance. Genre, je pense qu'il est malade ou quoi, donc je vais voir avec lui s'il a un souci, s'il y a quelque chose qui va pas. Parce que je pense que c'est pas normal, c'est pas possible. Il y a un truc. Ah, ça parle des tenues. Salut. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé que tu étais en avance? Bonjour. Je leur ai dit, c'est inquiétant. C'est la nouvelle coupe. Tu voulais montrer la nouvelle coupe. T'as eu fait. Je dis, c'est juste que je pensais que c'était à 10h. Donc moi, j'étais là à 10h30. Moi, c'était à 11h. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je suis pas rentré me laver. Ah, ah ouais. Je sors de l'entraînement. D'accord. Ah bah bravo Fitness Boutique. Bien. Ah bah bravo Fitness Boutique. Il y en a qui étaient bons. J'ai copié un peu là. Il y en a qui étaient bons. Vlog contre vlog. Repas en terrasse avec ma princesse et la nouvelle coupe. Les beaux gosses ou pas, mettez dans les commentaires. Il a eu du travail là. Et bien sûr ça mange viande, légumes. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Excusez-moi, vous avez oublié ça. Ça sert à quoi? Voilà comment Pascal McCabe ouvre. Coquine, allez, fais voir. Mais c'est toi aussi. T'as pris 20 ans. Coquine. Bah alors, c'est dur? Non, ça va. Vous connaissez Mario Balotelli? Pourquoi? Il avait un problème, il ne savait pas s'habiller. Ah oui, c'est vrai. Problème de châssis. Bon, direction la salle, vous avez compris, avec Pascal Rico, Pascal Ziz, ça va? Ouais. Est-ce que t'as été content des commentaires sur ta vidéo transformation? Très content, d'ailleurs je tiens à vous remercier tous. Et aussi à remercier le petit Pierre-Jean Gabrière là qui est... Gabrière, allez, PJ. Je remercie PJ franchement Hop, désolé, pour le programme. Vas-y, vas-y. Pour le programme Train With Me. Parce que sans ça, j'aurais pas pu évoluer comme ça a été le cas. Enfin, j'aurais peut-être C'est bon, mais... c'est bon, t'auras ton billet, c'est bon. Rajoute-en pas trop après, ça se voit, placement de produit, Train With Me et merci, tout. J'ai remis mon billet. Non mais merci à tous en tout cas. Ouais, très sympa dans les commentaires. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, le seul truc qui me fait rire un peu, c'est les commentaires sur le style. Notamment sur... Oh, tes Human Race, putain, elles font... Ouais, les gens, ils sont jaloux. C'était fake. Ouais, ils sont jaloux. C'est des Human Race du bled, les gars. Arrêtez de croire que c'est des vrais. Et aussi, les petits trucs où tu devrais pas mettre, si tu devrais pas faire ça. PJ, tu devrais pas te faire ta couette, ça va pas. PJ, tu devrais raser ta barbe. Pas si elle laisse ta... Bref. Vous êtes pris pour qui Christina Cordula ou quoi? Oh. C'est quoi ce délire? C'est une chaîne Muscu Fitness, c'est quoi ces commentaires? On s'en fout! Et vous savez, Christina Cordula, c'est la sœur de Christina Cordula. C'est ça, mais ça ressemble. C'est sa sœur. C'est à peu près la même. Excuse-moi de pas regarder. Mais d'ailleurs, on va faire des relookings, mais ce sera sur la chaîne Alex et PJ pour Hades. Mais là, c'est quoi ce délire? Il y a la moitié des commentaires, c'était que des trucs comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh. Moi, il y a eu 2-3 commentaires qui m'ont fâché. Ils m'ont vraiment fâché. Il y a eu un commentaire qui dit, enfin plusieurs même, qui disait oui mais c'est pas sur 3 mois machin et tout. Putain, vous me faites chier, vous êtes pas venu avec moi pour voir les 3 mois comme j'ai galéré. Mais comme tant mieux, fort. Tant mieux, s'ils y croient pas. Donc, ça veut dire que c'est extraordinaire. Ils incroyable. Ont quand même été motivés aussi. Oh. Là, ils ont mis aussi c'est juste une sèche. Alors le principe de perdre du gras, oui c'est une sèche. Tu prends du muscle, c'est de la prise de masse, bien sûr. On n'a pas dit que c'était impossible à faire. S'il l'a fait, d'autres peuvent le faire. C'est pour ça que j'ai dit aussi que j'aimerais choisir d'autres personnes et tout. Bien sûr que c'est possible. Mais ça reste quand même un gros travail. Ne dénigrez pas le. Alors dénigrer c'est pareil, c'est-à-dire dénigrer, ne dénigrez pas le travail des autres. Bref. C'est vrai. Là en tout cas il continue, on va à la salle et on fait ça. Been around a little bit but not as long as little foot. Oversensitive and then we blame it on political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for acceptance. We all a little off in deception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. The virus bad, why police have all the cannons there? Cops these days got us looking like Afghanistan. Complicated weapons who we call it for this robbery. If you think of on, I'm about to act Sean Connery. Honestly, these days killer gets so fucking publicized. First you fry the younger by the dead and got like T.I. R.I.P. that we all
up to the neck. After death, the check in over dinner argument. Presidents don't have a sense, but blame for your cop outs. Cop out, cops out, can I play a game of knockout? Passion outblasted. Allez, on termine la séance avec Dragonfly. Regardez la progression de Pascal. Oh là là, une machine maintenant. La pression. Il en faisait pas un seul il y a 3 mois. Là, c'est une machine. Et cet après-midi, on reprend le travail sur l'ordi avec quelques fraises de 3 kilos, pas plus. Et Julie, elle est sur son montage. Oui, j'en peux plus. Contre jour. Bah ouais. Ah là, c'est mieux. Montage de quoi? Montage de masque à la banane fait maison. Voilà, je galère, je fais le montage, j'apprends et tout. Elle j'avoue, dit que c'est s'achète. Lui qui m'a appris ça. Ouais, j'apprends tout sur Final Cut. Elle est pleine d'envie. Je serais perdue sans lui. Et pour ce soir, direction cinéma, on va voir Fast and Furious 8. C'est lourd. Calme-toi. Film terminé, bon Julie, t'en as pensé quoi? Si je dois être honnête, c'était pourri, y'en a assez, Fast and Furious. Toujours la même chose. Je savais pas, elle aimait pas. Moi j'ai bien aimé la saga à partir du 5, 6, 7, ça commençait à être chaud. La 8, ils sont vraiment partis en couille, ils m'ont perdu sur plein de trucs. Ouais, bref, je vous laisserai les juger par vous-même, voir si le film vous plaît. Si vous aimez l'action et tout, ça reste quand même un truc intéressant. Mais voilà. Il y a du nouveau casting, donc allez voir par vous-même. D'ailleurs, parlant de nouveau casting. Dis-moi Efkan, la dernière fois, tu devais pas que t'as été allé, tu devais pas être la nouvelle star du Fast and Furious américain, je sais pas quoi. Tu serais pas un peu fait niquer sur ce coup-là, parce qu'ils ont recruté du monde, dont Charlize Theron. Et je sais pas si tu devais être le méchant, mais j'avoue qu'elle est pas mal. Bref, dédicace à toi, poteau. Et aussi, deuxième anecdote, je viens de penser, c'est que... En fait, c'est pareil, je viens pas d'y penser, je l'ai réfléchi. C'est que on devait faire, quand on était à Los Angeles avec Alex de l'année dernière, une vidéo sur Vin Diesel, puisque là c'était Fast and Furious, mais il y a pas longtemps il a sorti Triple X et ça allait être l'avant-première et tout, genre un mois plus tard. Donc Paramount, ceux qui gèrent la sortie, nous ont contactés. On avait dit c'est une super idée de faire son entraînement, on voulait le faire, c'est top, on a allé, est-ce qu'on peut le rencontrer? Ils nous ont dit non, il a refusé. Ok, est-ce qu'il peut faire une vidéo ou au moins juste nous écrire, nous donner quelques indications comment il s'est entraîné pour se préparer ce film, parce qu'on avait tous vu qu'il avait pris une grosse bedaine et qu'il est arrivé pour Triple X, il était au top le mec. Et bon bah le souci c'est qu'il a refusé, il a pas pris le temps et tout de donner des infos. Donc avec Alex on leur a dit on va pas faire une vidéo comme ça au hasard pour faire un truc entraînement au hasard. Et je dois avouer que du coup tu nous as vachement déçus. Donc je suis quand même allé voir Triple X, tu t'es bien rattrapé parce qu'il était lourd. Je suis venu voir Fast and Furious 8. Là t'es producteur, mec, t'es parti en couille Vin Diesel. Donc j'espère, je suis désolé, il y a des dodanes. Donc j'espère que tu vas vite te reprendre. Et que si tu regardes ce vlog, tu mettras un petit commentaire en dessous pour t'excuser. Bien sûr. Par la justice, souvent condamné, faire des allers-retours pendant beaucoup d'années. J'ai pas fait l'armée, mais tout ce que je sais c'est qu'il faut nous tirer dessus pour nous désarmer. Quelqu'un de fier, je suis pas un rappeur, tu veux savoir qui je suis, tu demandes à mon père. On sait d'où vient la haine, on n'aime pas la défaite, c'est pas mieux de voyager sans me perdre. Si je suis riche, j'aurais toujours très faim à mort et j'aurais tout ce que je demandais. T'es sur Monaco, je suis déjà parti. Sur un bateau, j'ai pris le. Bon, retour à l'appart, jeudi matin, donc après l'entraînement. Et Ennis, il est là. Salut. Istanbul, il est déjà vu dans le vlog avec Alex. Donc là, on va voir les prototypes. Bien sûr, je vous filme tout ça. Des futures collections Body Time. Ce sera moi, ce sera cette matière là. Okay. Donc, moi en fait, ce sera comme ça avec la bande. Plein essayage, l'ensemble pour hommes, futur ouais, ensemble pour femmes. Ouais. Et bon, grand, on garde quelques secrets quand même. Bon, comme d'hab, c'est la course là, arrivée à Grenoble. Parce qu'on va tourner une vidéo spéciale pour Hades où ça va être un relooking. En gros, on va la faire un peu façon Christina Cordula ou Cordula, comme vous voulez. Et bref, je vais vous laisser là, le vlog va se terminer ici, vous aurez ça bien sûr sur Hades et dans le vlog d'Alex, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Building up success, you know it's taking time. I'm choosing my own path and no one's making mine. Know I hit my goals, it gives a crazy high.